Bonjour les petits cailloux, c'est Pierre qui roule. On est sur un nouveau jeu qui est arrivé récemment sur le Game Pass de Microsoft Xbox. Pour ceux qui me connaissent, sur le Game Pro de Microsoft Xbox. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas streamé, ça fait longtemps que j'ai pas fait de test de test. Puisque j'étais en vacances pour les fêtes de fin d'année. Je suis rentré aujourd'hui et j'étais en vacances depuis le 26 décembre. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas streamé et joué. Alors, on va se faire ça. Bon, déjà, la jaquette du jeu, comme on appelle, et même le titre, et même ce qu'on voit là à l'écran. Ça donne pas envie. Alors déjà, on va voir si ça vaut une bonne note ou pas, et ce que c'est comme jeu. Ça a l'air d'être un jeu, rien qu'à la jaquette, pour les gamins de 5 ans. Déjà, on va voir un truc important. Est-ce que... Ah ! Ouf ! On peut mettre en français. Bon, les couleurs de merde... LGBT, merci bien. Je sens le jeu de merde par défaut. Donc c'est bon. Donc déjà c'est en français. Oh, vas-y. Parti. Je me tire. Touche Y, interagir, X, rouler, B. B, je sais pas ce que c'est, rodéo. Je me sens comme de la vidange. Ah. Déjà, la vidange, Alors, et A, sauter. X, rouler. On peut rouler. Et ramasser des petites pièces. Tout peut être un déchet si tu crois en toi. C'est une machine. Mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça sent vraiment le jeu. Quand tu tombes dans l'eau, c'est pas bête. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde? Encore un super jeu qui va pas durer 5 secondes. De Dieu, c'est un jeu pour les gamins de 5 ans. Oui.
Ouais, bon, on va s'arrêter là, hein. C'est moi, ça me gave. Hein, j'ai envie de farcir. Franchement, c'est quoi ce jeu? Arrêter là. D'habitude je m'énerve, mais là je vais pas m'énerver, ça sert à rien. C'est, je vous laisserai vous énerver vous-même pour ces jeux de merde. On est en 2023, vous avez une série X qui coûte 500 euros et vous avez le Game Prout de Microsoft Xbox qui se fout de votre gueule. Microsoft qui vous propose quoi comme exclusivité? Zéro. Un Game Pass avec 99% de jeux comme ça, de merde. Et puis une exclue tous les... Avant, il y en avait au moins 2 à 3 par an, avant le Game Pass. Hein. Et ensuite, après le Game Pass, c'est passé à 2, voire 1 par an. Et depuis quelques années, bah, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que Fable n'est pas prévu avant 2026. Pour la fin de la génération, voilà, ils l'ont encore dit récemment. Soi-disant, on va avoir Starfield cette année. Bon, j'attends de voir. Hein. J'attends de voir. State of Decay 3, ben, c'était prévu pour cette année, mais on n'en parle plus. Donc, à mon avis, c'est dans le cululu. Donc, en gros, ben, tu la sens là, la main dans le cul, le poing, le fist fucking à la sauce Microsoft. Et ben, c'est ça. Il y a Microsoft là, et Spencer qui te le met bien profond là. Des exclus, tu te l'auras dans la dedans, va chier quoi. Et tout ce qu'on prend, bah, c'est des catalogues avec 99% de jeux de merde qui nous ramènent un gros paquet de fric, 2 millions de dollars par mois. Les actionnaires sont contents. On achète Activision pour Call of Duty, voilà, ça plaît. Voilà, mes exclus, on n'en fait plus, ça coûte trop cher et puis ça arrête. Parce que les gens sont cons à acheter du Game Prout hein, et à consommer de la merde. Hein, la preuve, les abonnements Netflix, Amazon, tout le tintouin, la malbouffe, hein, tout va avec, hein, tout va avec. Heureusement, Sony, eh ben, a encore de très beaux jours devant lui, avec des exclus et tout ça. D'ailleurs, moi, j'attends qu'une chose, c'est d'être dans mon nouvel appartement en fin d'année. Et je pense qu'après, j'achèterai une PlayStation 5, parce que c'est vraiment du foutage de gueule. Hein. Plus on avance dans le temps, et plus du foutage de gueule. Hein. Sony, c'est pour moi la meilleure console de tous les temps, bien plus que l'Xbox. La Xbox, c'est bien pour les jeux en multi avec des copains et tout ça, mais pour les jeux solo et les exclusivités, prenez pas la Xbox, ça sert à rien. Prenez-vous une PS5. Là, au moins, vous en aurez pour votre argent avec des jeux solo et des exclusivités hein, dignes de ce nom. Voilà. Bon, allez, sur ce. Ah, le test des tests, il est fini. Il a duré quand même 10 minutes. C'est déjà pas mal hein, pour un jeu de merde. Ma note, bah. C'est en dessous de 0. Ouais, on va lui mettre 1. Non, non. On va lui mettre 0. 0, déjà. 0. C'est une très bonne note, 0 sur 20 hein, pour moi. Mais bon, parce qu'on peut choisir la langue, qu'on peut se mettre en français, mais voilà. Je pense que c'est un jeu pour les gamins de 5 ans, mais votre gamin, s'il a 5 ans, vous ne mettez pas sur une console. Hein, voilà. Vous attendez qu'il ait au moins 8, 9 ans, voire 10 ans pour le mettre sur une console. Avant, vous lui faites lire des livres et vous l'éduquez vraiment et vous jouez avec lui au lieu de lui foutre devant une console pour avoir la paix. Faites pas des gosses pour avoir simplement des allocs. Hein, merci. Allez, ciao ciao, bonne journée. A plus dans l'Airbus, les jeunes.